I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. De servir la République. Vous êtes des hommes et des femmes de bonne moralité. Vous êtes des hommes et des femmes qui vont faire que le CEP soit une réussite. Pour cela, vous êtes tenu d'observer un certain nombre de choses. Il y a avant le début des épreuves, c'est-à-dire maintenant. Après cette réunion, vous devrez être en mesure de maîtriser ce que je vais dire. Il s'agit de... On va mettre les documents à votre disposition, mais il faut que vous soyez capable, lorsque vous avez les documents remis dans quelques instants, il faut que vous soyez capable de vérifier les effectifs des candidats qui vont composer dans votre centre à partir du répertoire des écoles du centre. C'est-à-dire que, je prends un exemple, le centre Angola Libre. Nous avons le centre Angola Libre. Monsieur Mayindou Emerson doit être capable de vérifier dans ce centre-là il y a combien d'écoles. Mais il le saura à partir du répertoire des écoles qui se retrouvent dans ce centre. Il faut regarder, vérifier. Est-ce que j'ai les copies d'examen? Est-ce que j'ai des enveloppes kaki? Est-ce qu'il y a des pots de colle? Est-ce qu'il y a des stylos bleus? Il y a des marqueurs, des PV? Est-ce qu'il y a la grève? On va mettre à votre disposition ces documents-là. Vous vérifiez. Ça, c'est avant. Mais vous devez aussi, et ça, c'est l'expérience que nous avons tous lorsqu'on a géré le BEPC, le baccalauréat. Il faut reconnaître son centre. Vous reconnaissez votre centre, vous y allez, mais vous regardez les salles de classe retenues. Est-ce qu'elles répondent aux conditions de l'examen? Sinon, tenez-nous au courant rapidement, on trouve la solution. Ça, c'est toujours avant. Le CEP écrit, c'est le 8. Ceci, vous devez le faire avant le 8. Vous devez préparer votre centre. Pour préparer le centre, il faut que vous ayez au préalable tenu la réunion avec vos collaborateurs, c'est-à-dire le chef de centre adjoint, les surveillants, le membre du secrétariat. Vous leur donnez aussi des consignes. À l'issue de cela, vous préparez votre centre. Vous portez, vous faites le brassage, les listes seront mises à votre disposition. Vous portez les numéros sur les tables bancs. Et bien sûr, on ne peut pas faire le CEP, un examen d'État qui est le tout premier dans un environnement malsain. Pour faire tout cela, ça veut dire que vous avez assaini le centre. Le chef de centre doit être ingénieux. Il doit être inventif, créatif. Il arrive dans son centre, il dit, moi pour réussir ce centre, en dehors des consignes qui ont été données par la DEDEPSA, je peux ajouter ça pour la réussite de mon centre. Il y a toujours avant. Vous devez orienter les candidats en affichant le calendrier du déroulement des épreuves écrites. Vous l'aurez dans le document. Les listes des candidats et le plan du centre.
vous avez le tableau de répartition. Vous avez à élaborer la répartition des responsables de salle et des surveillants selon le principe de rotation. J'ai surveillé telle discipline dans la salle numéro 1, mais je peux passer dans la salle numéro 4, ainsi de suite. Vous devez commencer l'appel des candidats une heure avant. En cas de doute sur l'identité d'un candidat, faites-le composer sous réserve en plaçant chaque fois sa copie dans une enveloppe spéciale. Ça, c'est avant. Je fais une digression ou une indiscrétion. Ce qui s'est passé à Javoué pendant le bac blanc, ce n'était pas que nous n'étions pas capables d'organiser le bac blanc ce jour-là, mais c'est parce que ceux qui avaient la charge de préparer ce centre avaient failli. Ils ont préparé leur centre le jour où on démarre le bac blanc. Jusqu'à 10 heures, ils n'avaient pas encore commencé à préparer le centre. Voilà pourquoi on a été obligé d'annuler les épreuves du jour. Donc, quand vous n'avez pas préparé votre centre avant, vous serez en difficulté. Et nous ne voulons pas que cela nous arrive au CEP. Préparez le centre avant. Lorsque vous avez préparé votre centre avant et vous l'avez bien fait, vous l'avez réussi, il y a pendant le déroulement des épreuves, c'est-à-dire le 8. Messieurs et mesdames les chefs de centre. BPC blanc. On a vu ça au BPC blanc. Prenez votre calme. Un calendrier. Prenez votre calme. Vous exécutez le calendrier tel qu'il a été signé par le ministre. Si c'est calcul mental, eh bien c'est calcul. Je crois l'avoir ici. C'est bon. Je l'ai ici. On commence par les mathématiques à 9h pile. Ce jour-là, à 9h pile, dans tous les 132 centres, ça doit être les mathématiques, s'il vous plaît. C'est récent, hein? J'ai dit qu'au BPC blanc, il y a un chef de centre qui a commencé plutôt par l'anglais au lieu des mathématiques. Prenez, affichez le calendrier avant d'ouvrir votre mal, consultez. Est-ce que c'est bien les mathématiques? Si oui, vous faites. Messieurs et mesdames les chefs de centre, vous avez l'obligation de veiller à l'ordre et à la discipline au sein et aux alentours des salles d'examen. Vous devez veiller à l'application stricte des consignes par les membres du secrétariat, les responsables de salle, les surveillants et la force publique. C'est vous le moteur, c'est vous. La réussite dépend de vous, chef de centre, bien sûr avec vos collaborateurs. La force de l'ordre, hein, on le sait. Nous ne serons pas surpris qu'elle soit tentée par vous emmerder. Mais c'est vous le responsable du centre, c'est vous. Je vous délègue mes pouvoirs. Ce jour-là, dans votre centre, le DDEPSA, c'est vous. Imposez-vous quand vous avez l'autorité qui vous a été investie, mais appliquez-la. Faire preuve de bon sens. Ne pas sortir du centre d'examen pendant les épreuves. Tenir le portail fermé là où il y a le portail. En cas de tentative de fraude ou de flagrant délit, établissez un procès verbal signé du candidat coupable et contresigné par toutes les parties en présence. Ce sont des petits-enfants. Je ne pense pas que c'est vrai. On commence à voler dès le bas âge. Hein. Hein? Soyez vigilants. Ça peut être aussi des grandes personnes qui vont vouloir chercher à aider. Ça peut aussi être les membres du secrétariat, les surveillants. On n'a pas la maîtrise de tout le monde. Nous avons donné des consignes qu'on éloigne tout.
tous ceux qui enseignent dans les écoles privées. Ils sont tentés de faire quoi que ce soit pour leur candidat. Mais on ne veut pas de ça. Mettons tous les enfants au même pied d'égalité. Ceux qui ont étudié, ceux qui ont été bien enseignés, bien encadrés, ils vont s'admettre. Et ça, les chefs de centre, vous répercuterez l'information à vos collaborateurs demain. Vous devez avoir des réunions avec vos collaborateurs dans vos centres. Demain. On n'a pas le temps d'attendre lundi. Non, faites-le demain. Vous commencez à préparer votre centre. Lorsque on rabat la copie, vous voyez, on ne peut pas badigeonner la colle ici. Non. Vous pouvez mettre un point ici, un point là, et on colle. Vous détachez le sticker. Si c'est les mathématiques, vous prenez le sticker de mathématiques qui correspond à l'identité de l'enfant. Ne confondez pas, vous prenez mathématiques. Quand c'est les mathématiques par exemple, ça c'est le sticker d'un candidat. Là où il y a le nom, on ne détache pas, on n'enlève pas. On se rassure que le nom qui est écrit, là, c'est bel et bien le sticker du candidat. On détache la première partie, il y a le nom, l'identité de l'enfant et tout. On prend le sticker de la discipline concernée. La récitation, on décolle. Tu peux décoller ? On enlève. Récitation. Là, il s'agit de l'oral. On met à l'oral. Copie de l'enfant. C'est bien écrit, épreuve. Ce n'est pas poème ou lecture. Poésie. Poésie ou lecture. Donc, on prend sticker de poésie ou de lecture. Nous collons de cette façon. On colle là. Coller. On est rassuré que c'est bel et bien le nom. À ce moment-là, on peut mettre la colle et fermer. Pour ne pas confondre le sticker, on se rassure que ce qu'on a pris là, c'est pour le candidat Oko, par exemple. Et pour toutes ces copies, après avoir fait ça, on garde soigneusement. Prochaine discipline, même chose. On enlève. Ici, c'est mathématiques, par exemple. On enlève le sticker de mathématiques, on prend la copie de mathématiques et on procède de la même façon. On colle et après on rabat la copie, juste pour se rassurer que c'est bel et bien la copie de Oko pour les mathématiques. Et ainsi de suite. Quand on aura fini, vous voyez, quand on aura fini d'enlever tout ça collé sur les copies, ce qui reste, le nom, on remet dans l'enveloppe. On garde. Vous remettez dans l'enveloppe, ça doit revenir à la DDPSA. Quand on colle, il y a une case là. Il y a une case, c'est là où on portera la note qu'on donne au candidat. Si le candidat a 5, on porte la note dans la case rectangulaire qui est là. C'est là où on mettra la note. Ça, c'est l'oral. À l'écrit, à la correction, c'est là où ils porteront la note, dans la case rectangulaire qui est là. Messieurs et mesdames les chefs de centre, vous avez l'obligation de veiller sur cette pratique. Elle est nouvelle au CEP, mais on va s'y habituer. Il suffit d'être un peu ingénieux, on s'en sortira. Madame a dit, vous prenez le sticker, tout le lot. C'est écrit ici, exemple, Dangwama Alain Claude, candidat au CEP. Je regarde, c'est bel et bien la copie de Dangwama Alain Claude. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait dictée question. C'est dictée question. Je cherche le sticker de dictée question. Je le détache et je le colle. Là, je rabats la copie. La partie anonymée, je rabats, je mets la colle
je colle. Le reste, ça, là où c'est écrit dans Guama Alain Claude, on remet dans l'enveloppe. C'est bien cela, madame. Après avoir épuisé chacun des stickers, la note à l'oral, on la porte ici. C'est séance tenante. À l'écrit, mais c'est lorsque le correcteur corrige qu'il porte la note. Si on fait comme ça, si nous réussissons à mettre à votre disposition tous les stickers, on ne dort pas là-bas. Matin, midi, soir, on ne fait que produire ça. Si on réussit, chers collègues, le CEP, après l'avoir corrigé, peut-être 4 jours, on publie les résultats. Aucun chef de centre, aucun, alors aucun, ne libère ceux qui sont avec lui, ses collaborateurs, tant que ce travail-là n'est pas fait. Pendant le CEP écrit, vous ne collez pas les copies. J'enlève ça. Vous ne collez pas les copies. Donnez-moi notre copie. Nous nous battons pour avoir tous les stickers. Mais il peut arriver que nous ne les ayons pas en totalité. Les inspections qui n'en auront pas, eh bien, le chef de centre, vous passez la consigne à vos collaborateurs de ne pas coller les copies. On va seulement rabattre. On remplit l'entête, aider les enfants, c'est des petits-enfants. Et puis, il y a le numéro matricule, il est trop long aussi, c'est des petits-enfants. Aider à ce que ce soit bien rempli. On rabat seulement la partie à anonymer, mais on ne colle pas. De façon que si nous avons les stickers après le 8, on va faire le travail de collage et de placement de stickers. J'ai voulu communiquer à ce niveau abondamment pour que ce soit clair. Vous ne libérerez jamais ceux qui n'auront pas fait ce travail-là, mesdames et messieurs les chefs de centre. Nous avons fini cette étape du déroulement pendant l'examen, mais nous avons la troisième étape, la fin de la mission. Vous ramenez à la DDPSA la malle contenant les documents suivants. Les copies des candidats, les PV de déroulement par salle et par épreuve, le PV final du déroulement, le procès verbal de fraude, au cas où il y en a eu. Et puis la fraude, quand je parle à l'oreille de mon voisin, ce n'est pas une fraude. La fraude, il faut en apporter la preuve matérielle. Parler à l'oreille d'un voisin, on n'a pas triché. La fiche synthèse des candidats absents durant le déroulement des épreuves. Nous vous disons, votre éthique et votre sens de responsabilité nous rassurent. Soyez toujours la solution devant toute éventualité. Notre confiance implique votre entière discrétion. Il y a des hommes et des femmes qui ont grappillé des échelles ou des marches grâce à leurs prestations. Quand vos prestations sont bonnes, ont été bonnes, la République ne vous oubliera jamais. Elle est en mesure de vous faire passer d'un palier à un autre. Le calendrier est là, il dit oral du mardi 6 au mercredi 7 juin 2023. Nous avons augmenté le nombre du personnel qui va gérer un centre d'examen. Nous avons aussi élevé, madame ne va pas me dire le contraire, le montant à percevoir. Je crois que c'est ça. Nous l'avons élevé. Nous avons augmenté le nombre de personnes. Simplement parce qu'il y a ce travail de sticker. Il y a ce travail de sticker. Ça doit se faire là-bas, au centre. L'oral se fera en un seul jour. Le mardi 6. Vous avez fini, c'est fini. On ne parle plus d'oral. Le 7, vous préparez encore votre centre. Le 7, vous mettez à profit ce temps-là pour préparer votre centre. Il peut y avoir des choses qui vous ont échappé, mais vous avez le 7 pour rattraper.
Par contre, si vous prenez jusqu'au mardi 7 et qu'il y a des choses qui vont vous échapper, c'est trop tard. Donc, l'oral, je répète et j'insiste, se fait en un seul jour, le mardi 6, point. Le 7, ben vous avez numéroté les tables bancs, vous avez à faire tout ce qu'on fait dans un centre. Deuxième information, mesdames et messieurs les chefs de centre, ayez votre chargeur, branchez votre téléphone même à 200%. Vos téléphones doivent être ouverts. À chaque instant, on peut vous appeler. Si on a les stickers, alors que vous êtes déjà en pleine composition, en plein examen, on vous appelle, les véhicules viendront vous alimenter en stickers. Il y aura donc les chefs de centre qui retireront leur mal au premier site, donc à la DDEPSA. Et le deuxième site, c'est ici à Revaux. Maintenant, lesquels sont concernés? Les inspections qui se trouvent dans le site 1. Il s'agit donc de Makele qui est le 1, Makele qui est le 2, Bakongo, Madibou, Potopoto, Mungali 1, Mungali 2 et Mfilou Ngamaba. Les inspections que je viens de citer vont retirer leur mal à la DDEPSA. Je parle de l'écrit, je l'ai dit. Donc le jour de l'écrit, le 8, tôt le matin, vous réveillez à 4h du matin. Donc, à 5h, vous êtes déjà à la DDEPSA. Pour ces inspections-là, ils vont retirer là-bas, de l'autre côté, de la DDEPSA. Maintenant, site numéro 2, vous comprenez, il s'agit donc de Wenze 1, Wenze 2, Talangaï 1, Talangaï 2 et Diri. Ceux-là vont retirer leur mal ici, au lycée de la Révolution, à 5h. Ilmbamou y compris. Bon, Ilmbamou, oui. Ilmbamou voyage. Il voyage, il part là-bas au fleuve. Et lorsque vous aurez terminé, vous allez retourner également vos mâles là où vous les aviez retirés. C'est-à-dire ceux de la DDEPSA, remettre à la DDEPSA et Révolution ici-là.